Eh bien bonjour tout le monde, ici Chronos83 en compagnie de Clemtis, bonjour. Bonjour, alors c'est le chef Clemtis d'abord. Le chef Clemtis. Donc on se trouve pour un double interview, donc aujourd'hui des deux chefs de ville, donc Clemtis et Eldar. Tout d'abord je tenais à préciser que le gameplay que vous voyez c'est moi sur la map de Chronos Adventure. Non, c'est une photo de ma ville. Vous verrez, et ça dépend, mais normalement ce sera un truc comme ça. Il y aura une petite... là, on verra. Donc on va procéder à une petite interview pour que vous puissiez mieux connaître les chefs de ville actuels de Luxuropolis et Apocalypti. Et on commence par Clemtis, donc le chef de la ville adverse de Apocalypti, donc voilà. Tout d'abord, des questions qui t'atteignent plus que les autres questions, c'est afin de te connaître mieux. Donc 1, quel est ton pseudo et pourquoi t'appelles-tu comme ça? Oula, donc mon pseudo Pierre du Lac, ça je le retiens, moi ça va. Pourquoi je m'appelle comme ça? Parce que au départ c'était le compte de moi et mon frère. Et quand on l'a fait, on pensait pas du tout que le en ligne était le même pseudo. Et vu que je joue toujours sur ce compte là, j'ai gardé le pseudo. Alors si tu veux le dire, c'est bien sûr, si tu sais pas obligé. Quel est ton prénom IRL, ou sinon bah tu peux donner sinon ton pseudo que Pierre du Lac, du coup vu que c'est celui de ton frère. Oh bah mon prénom Clément, Clemtis, Clément. Voilà. Pas trop. Clemtis 712. Hein. Voilà. J'ai oublié de préciser. Maintenant, si tu veux le dire aussi, là c'est plus privé, mais ça, je t'ai vraiment pas obligé de le dire, c'est quel âge as-tu, donc quel âge a le chef de cette ville? Il est très 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 vieux. Non, 18 ans. Ah mais en effet c'est vieux. Très très vieux. 4. Ouais. Depuis quand joues-tu sur ce serveur et qu'as-tu fait dessus? Alors depuis quand? C'est une magnifique question, j'en sais rien. 3 mois, 4 mois? Bah si on devait se positionner par rapport à mes épisodes ou par rapport à quel monument qui a été créé. Avant les chiottes, après... Alors après les chiottes. Avant la ville centrale. Après la serre, dans ce coin-là. La serre. Ouais, ce que t'appelles ta serre, là. Bizarre. C'est chez toi, là. Mm-hmm. Là où il y a tes patates. Ah, c'est ça, d'accord. D'accord, et qu'est-ce que tu as fait sur le serveur comme projet? Ça compte rien du tout, au départ. Je me promenais. Ouais, au départ, tu te promenais, mais t'as fait des trucs. J'ai fait un manoir qui a cramé. Non, j'ai commencé par un château que j'ai jamais fait au final. Ensuite un manoir qui a cramé. Une ville qui était trop loin, avec 3-4 maisons. Ma maison actuelle. Et puis là, bah le gros bâtiment que je suis en train de construire. Bon, et voilà. La taverne, la sexo taverne. La sexo taverne de la ville centrale, en effet, t'as oublié de le préciser. Ouais. Donc maintenant des questions qui concernent la ville. Oula, là je suis pas au courant là. Ouais, ça va être un peu plus long à mon avis. 1. Comment t'es venu le nom de ta ville? Et pourquoi tu l'as appelé comme ça? Alors le nom de la ville, il m'est pas venu de moi personnellement, c'est... Bon, on a réuni toutes les personnes de la ville, et on a décidé tous ensemble, alors... Comme c'était Perse, police, à la fin, ça c'était obligatoire pour eux. Et puis, je pense que il a pensé à Luxure, qui a donné... Ouais, avec le luxe. Voilà. Et pourquoi l'as-tu appelé comme ça? Parce que ça plaisait à tout le monde de la ville et du coup on a fait un vote. D'accord. 2. Comment gères-tu l'économie de ta ville? T'es pas obligé d'entrer dans tous les détails, mais en gros comment comment tu gères les taxes et tout, même si pour le moment il n'y en a pas. Alors, les taxes, bah, pour le moment il n'y en a pas, mais elles seront gérées grâce à mon cahier magique où je note tout, mais à la moindre petite émeraude je sais combien on a. Vraiment tout est calculé. Ensuite chaque bâtiment construit, les personnes qui ont construit dessus bah, toucheront quand le bâtiment sera fini, quand touchera la récompense, toucheront un salaire selon ce qu'ils ont fait dessus. Par exemple Lucas qui passe 10 minutes il va toucher moins que Ethelion qui passe 2 heures. Enfin, ça ouais c'est au rendement quoi. Voilà au rendement. Et après un peu pour les taxes, un peu pour les armures. D'accord, et pour les matériaux, que dalle? Matériaux, tout le monde farm. C'est à l'ancienne. 3.
Donnes-tu des grades à tes citoyens? Si oui, lesquels et à qui? Attends, 2 minutes. Oui, quoi? Pourquoi je suis là? Parce que papa... On vous reprend. Re, les amis, petite interruption de la part de notre Clemtis. Donc, voilà. On était à la question, donnes-tu des grades à tes citoyens? Si oui, lesquels et à qui? Alors les grades, c'est une magnifique question. Ils doivent être donnés, c'est pas encore fait. Le problème, c'est qu'il faut être tous là pour quand même voter. Et c'est très très rare, sauf pour le PVP, après tout le monde est parti. Donc ça sera fait. Quatrième question. Paies-tu tes citoyens? Si oui, par rendement, travail ou autre. Donc tu avais déjà répondu. On passe directement à la cinquième. Tu as réfléchi à ta ville avant de te présenter ou après ton élection? Ah ouais, mais là mon cas il est un peu spécial parce que ma ville, moi au départ, c'était pas trop ça. J'ai pas été élu et j'ai forcé la main gentiment à Lucas pour qu'il me passe sa place. Au départ, ma ville devrait pas ressembler à ça. Oui, donc en gros, je rappelle qu'Amtis avait au début choisi de faire du moderne, sauf que lui, il a été contraint à faire de l'antiquité perse. C'était une contrainte que j'avais s'il voulait devenir chef. Voilà. 6. T'impliques-tu beaucoup dans la construction de ta ville ou surtout dans le management? Alors, pour le moment, je dirais plus dans la construction, parce qu'on fait le bâtiment central. Enfin, je fais le bâtiment central, parce que personne participe, à part Lucas de temps en temps. Et sinon, une fois que tout le monde sera mis plus dans le management, puis des constructions quand même, pour participer ensemble. D'accord. 7e question. Qu'as-tu à reprocher à ta ville ou à tes membres? Ah bah ça, ils le savent déjà, hein, qu'ils sont pas actifs. C'est tout ce que tu pourrais reprocher? Sinon, dans le style de construction, t'as rien à reprocher. Si, Lucas, t'as des goûts de merde. Ouais, donc ça atteint directement les membres, quoi. Oui, voilà, des goûts de merde, le sale, c'est moche. D'accord. Ça aussi, le sait déjà. Mises-tu beaucoup sur les champs de bataille? Comment te dire que pas vraiment. Là, le champ de bataille, on y va, mais plus long. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais, je vois. Donc il faut savoir que d'ailleurs, vous aurez regardé cette vidéo, mais normalement, il y aura un nouveau champ de bataille samedi à 15h. Non, si... J'ai pas interviewé Eldar. Là, actuellement, pour vous repérer, on est mercredi 12. Le champ de bataille aura lieu, donc le prochain champ de bataille aura lieu samedi 15. Et je sais pas si la vidéo sera sortie parce qu'il faudra que j'interviewe Eldar entre-temps et tout, donc faudra voir. Mais en gros, il va y avoir le prochain. Oui? Pour vous dire, on est tellement mauvais qu'on arrive à perdre à 2 contre 1. Vous avez perdu 2 fois et vous avez gagné 1 fois. Ouais, on l'a mis à pas notre. C'est ça. Pas votre sauce. Sinon, là tu vas pouvoir t'éclater, qu'as-tu à reprocher à la ville adverse? Ah, bah y'a que des Mongoliens, hein. Il y a le problème. D'accord, mais Non, bah, encore? la ville adverse, j'ai l'impression qu'il est un peu comme nous, c'est toi qui joues, les varags de temps en temps qui passent pour faire un petit coucou, voir comment ça avance. Et après, voilà, un peu galère que nous, on va dire. Après, c'est vrai que faut se dire que c'est surtout les activités le week-end. Après, je m'avance pas parce que je suis pas de votre ville, mais je pense que... Bah, il y a Lotari qui a participé à la construction du sommet de la première tour vue sur Twitter. Et sinon, il y a Gégène qui a participé un peu au champ de bataille, à un champ de bataille, à un autre truc, mais sinon, ouais, globalement, c'est ça. Et d'ailleurs, Drapsag, lui, a quitté le serve suite à une envie de jeu vidéo réduite, on va dire. Donc du Bah, coup, c'est même plus réduite, c'est plus du tout même. voilà, c'est ça. Donc suite, la 10e question. As-tu des idées pour améliorer l'économie du serveur ou bien même des idées de jeu afin d'avoir d'autres moyens de gagner des émeraudes? D'autres moyens de gagner de... Ah bah oui, d'ailleurs, je t'ai communiqué que tous les taxes que vous payez reviennent à nous. Et tout ce que nous on paye revient à vous. Oui, donc ça, tu sais très bien que ça arrivera jamais. Bah oui, pourtant c'est une super idée. En fait, ça sert à rien d'avoir des taxes, quoi. Bah si, tu donnes à l'adversaire, c'est bien. Sinon, t'as pas d'autres idées pour améliorer l'économie ou...
comme ça. Oh. Je t'avais dit de me dire les questions avant, j'y réfléchis. Là, tu me prends sur le coup, non? Non, d'accord. Et non, même Eldar n'aura pas les questions à l'avance. 11. Est-ce que tu as une phrase qui correspondra à ta ville? Par exemple, du genre, je sais pas, admettons pour si c'est pour Apocalypse, l'apocalypse, c'est génial, ou des trucs comme ça, quoi, par exemple. C'est vraiment un exemple de merde, mais c'est un exemple. Pour ma ville? Ah, le problème, c'est que pour le moment, il n'y a pas... Après, tu pourrais dire, par exemple, fun, ou des trucs comme ça, tu vois. Ah, t'as pas... C'est dit de me dire la question. Ça aurait mieux passé. Ça aurait mieux passé, je te le dis. Mais c'est une question très ambiguë. Donc, vous n'avez pas de réponse, monsieur Clemtis. Si, venez dans ma ville, je joue tout seul. Pour le moment, ce serait plus ça. On n'est pas en vacances, c'est surtout pour ça, à mon avis. Après, c'est vrai que c'est assez tendax. Mais après, il faut voir, quoi. Suivant les activités... C'est pas tendax, c'est Nevarax, d'abord. Ouais, pardon. Si on calcule les activités, en soi, ça fait... Donc, il y a toi et moi qui sommes à peu près actifs. Il y a... Lucas qui est demi-actif. Lucas qui est demi-actif. Ectelion qui est pas très actif dans le sens qu'il est à l'université. T'as Alpha que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Qui, je tiens à le dire, à l'université, bizarrement, lui, je crois que c'est les seuls de France qui font pas grève. Hein, qui sont pas fériés, pardon. Non, l'université de Genève, voilà. Le seul qui est pas férié, mais c'est pas grave. Genève, c'est en Suisse, merci. Oui, bah ils ont qu'à être fériés quand même. Hein. Faut comme tout le monde. Ensuite, concerne pour Drapsag, il quitte le serveur. Pour Eldar, il vient quand même relativement plus qu'avant. Lotari. Alpha, il vient pas du tout. C'est ce que j'en ai parlé de lui. Lotari qui vient de temps à autre. GIGN, je n'entends plus parler de lui. Et puis bah voilà. Globalement c'est ça. Et je pense que pendant les vacances, ça devrait s'améliorer. Mais le problème c'est que c'est pendant les jours. Je suis pas sûr. Parce que déjà, de mon côté, je parle pour ma ville, Ectelion, il travaille, il bosse quoi. Leurs vacances ils sont bizarres chez eux. Alpha, il vient qu'on se voit bien, je lui dis à jamais. Et Lucas, bon, c'est Lucas quoi. Après, si je vois qu'Alpha est trop inactif et que c'est sans vraiment d'excuses valables, ça pourra passer un changement de membre, c'est-à-dire une exclusion du serveur, mais faut pas le dire. Et un nouveau membre qui arrive. Maintenant, j'ai la touche relativement simple pour ça. Mais dans ce cas-là, si tu fais ça, il faudra que tu remplaces un deuxième aussi. Parce que je pense que ça va suivre. Oui, à la place de Drapsag, il va falloir que je remplace aussi, en effet. Voilà. Donc, bah les amis, merci pour cette interview, Clemtis. On passe à Eldar tout de suite. Et j'ai une question encore. Oui. Non, plus de questions. Non, plus de questions. Si, encore une. Au total, il y a eu 15 questions. Voilà. 15. Et il y a une dernière question. Est-ce que tu peux la fermer? Alors oui, la poster, il faut prendre rendez-vous. Allez, à tout de suite. Re les amis, et bonjour Eldar. Salut tout le monde. Donc nous allons... je vais interviewer Eldar, donc le chef d'Apocalypti. Afin d'avoir plus d'informations, et est-ce que tu es prêt? Oui, sinon tu n'aurais pas lancé cette vidéo. Oui, on sait jamais, c'est juste pour, voilà, enfin t'as compris. Alors, tout d'abord, c'est des questions qui t'atteignent plus personnellement que les autres questions, et c'est afin de te connaître mieux, enfin pour savoir à peu près à qui ils ont affaire, et mon chef. Alors, quel est ton pseudo et pourquoi tu t'appelles comme ça? Alors, mon pseudo, c'est Eldar. 59. Eldar, parce que c'est les... Quand j'étais plus petit, je jouais à Warhammer. J'adore toujours d'ailleurs. Et mes premiers Warhammer que j'ai eu, c'était les Eldar noirs.
Mais je suis resté sur Eldar tout court. Dans certains jeux, ce sera Eldar noir quand Eldar est déjà pris, ou ça dépend selon mon envie, le jeu, et voilà. Et 59 parce que j'habite dans le nord. Donc, notre département 59. Voilà. Et donc, Nevarax, ce serait pourquoi ? Alors, ça, c'est parce que quand j'ai voulu créer mon compte Minecraft et que je l'ai créé et que je voulais mettre un pseudo, j'ai mis Eldar. Sauf que c'était déjà pris. Ouais, c'était déjà pris. Ouais. Du coup, dans ce cas-là, j'avais pas encore Eldar 59. C'est, ça, c'est venu après de mettre mon... le numéro de département. Département à la fin de mon pseudo. Et donc du coup, ta gueule Lotari, arrête de me parler. Voilà, ça, et donc j'avais un ancien ami à moi avec qui justement je jouais au Warhammer, etc. Et lui, son pseudo, c'était Nevarax, un pseudo qu'il avait inventé. Et je le trouvais bien, donc c'était un pseudo que j'utilisais en secours. Parce que ça fait longtemps que je n'ai plus parlé. Donc un pseudo que j'utilisais en secours quand Eldar était déjà pris. Mais bon, maintenant j'utilise Eldar 59 et ça, souvent, c'est... D'accord. Souvent, c'est jamais pris. Enfin, j'avais pas encore... D'accord, d'accord. Alors, deux, c'est une question vraiment optionnelle, si tu veux vraiment le dire. C'est quel est ton prénom IRL ? Victorien. Oh. Victorien, d'accord. Là, c'est pareil. Bon, je suppose que tes abonnés le connaissent, enfin, savent déjà la réponse. C'est, si tu veux le dire, c'est pareil que la précédente. Quel âge as-tu ? J'ai 22 ans. D'accord. Donc, 4. Depuis quand joues-tu sur ce serveur et qu'as-tu fait dessus ? Sur le serveur, je n'ai aucune idée depuis quand je joue sur le serveur. Ça, c'est... tu le sais limite mieux que moi. Bah, au début, bah, je joue depuis le début de ta série. Parce que je participais à... Création des chiottes. Voilà, à tuer l'Under Dragon. Ah oui, c'est vrai ça. La marraine, n'oublie pas que l'Under Dragon du serveur a été tué par nous deux, a tué des Wizards. Voilà, j'ai été recruté pour dans ta série au départ pour faire l'arba. PvP. Ensuite, du coup, c'est parti sur une tour à mob, est-ce qu'en rapport avec... Enfin, du PvP, du PvE plutôt. Donc une tour à mob en rapport avec les monstres, etc. Et voilà, ça tournait sur les chiottes. Nos magnifiques, nos superbes, nos incroyables chiottes. Voilà, j'ai fait... Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? J'ai commencé ma petite résidence que je n'ai pas finie, et là, on a commencé notre ville. Voilà, c'est ça. Et bah maintenant, on va passer à des questions concernant la ville. Comment t'es venu le nom de ta ville, et pourquoi tu l'as appelée comme ça ? Alors, le nom de ma ville, c'est pareil, c'est un pseudo que, si Lotari écoute cette vidéo, que... dans Star Wars, quand on créera une guilde, je dirais sûrement de... Je lui proposerai ce nom pour créer notre guilde. Parce que quand j'étais petit, il y a un jeu qui s'appelait... un jeu sur Internet. Attends, je suis en train de te le taper. Ouais. Un jeu sur Internet... comment dire qui se jouait à une sorte de RPG qui se joue au tour par tour. Hop, copier, voilà, je te l'envoie. Comme ça, tu pourras montrer. Donc, c'était, on créait un personnage et chaque jour, en fait, on pouvait jouer tous les jours, chaque jour. Ça se joue sur Internet en ligne. On déplaçait ce personnage qui avait des caractéristiques, etc., sur une carte totalement en ligne. Et on pouvait se faire attaquer d'autres gens, gagner de l'XP, etc. Et sur ce jeu, on jouait tous avec nos copains, on a créé une guilde qu'on a appelée Apocalyptic. Et depuis, dans chaque jeu, quand ouais. Je crée une guilde ou quelque chose, ou je prends le nom de Apocalyptic en souvenir de ça, et parce que... C'est un rapport avec l'apocalypse, un truc du genre ? Ouais, c'est pour... c'est pour dire que c'est... ça va être le bordel, quoi. D'accord. Que c'est badass, que voilà. C'est vrai, moi j'aime bien, j'aime bien Apocalyptic. Enfin, rien que le nom, ouais, moi j'aime bien. Après, c'est pas parce que je suis dedans la ville, mais bon, voilà. Deux,
Comment gères-tu l'économie de ta ville? T'es pas obligé de rentrer dans les détails à 100%, mais tu... globalement. Eh bien, en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on fait au niveau des bâtiments et des guerres, je récompense, on me donne à moi la récompense globale et je donne une partie en fonction de ce que les personnes ont participé, de ce qu'on fait, je donne une partie totalement subjective. C'est moi qui dis bah, je trouve que lui mérite plus ou lui mérite moins de ses récompenses à ceux qui ont participé. Voilà. Ouais, donc tu paies tes citoyens au rendement quoi. Ouais, en gros c'est ça. D'accord. Alors est-ce que tu as réfléchi à ta ville avant de te présenter ou après ton élection? Pardon? Tu as réfléchi à ta ville avant de te présenter ou après ton élection? Avant. Avant, d'accord. T'appliques-tu beaucoup dans la construction de ta ville ou surtout dans le management? Surtout dans le management parce que j'ai pas énormément de temps pour me connecter malheureusement. Oui, ça après, ouais. Après c'est pas. Mais bon, dès que je peux, j'y vais et je participe. D'accord. Qu'as-tu à reprocher à ta ville ou à tes membres? Rien. Oh là là, ville parfaite. Oh là là. Alors pour l'instant, il n'y a rien qui me déplaît. Les constructions qu'on a fait, ça me va bien. Les membres, bah... Si, je reproche la loterie de pas se connecter assez. Ouais. Bah après, tu me diras, les deux autres, on peut pas... Ouais, après, c'est vrai que là... Les deux autres, ils ont tous les deux été virés, donc j'ai rien... Ouais, c'est ça, on est en pleine phase de... Ouais. Donc c'est sûr que ça doit pas être évident. Mises-tu beaucoup sur les champs de bataille? Je sais qu'on va les gagner, donc non, je ne mise pas dessus. C'est gagné d'avance pour moi, c'est comptabilisé dans mon économie. Chaque semaine, 378 émeraudes. Voilà, c'est ça. Et maintenant, là, c'est... Pierre va acheter des matériaux pour continuer la construction de la ville. Ah. Donc, j'ai pas pris les matériaux les plus simples, à dire que la nether brick, etc., tout ça, c'est... Ouf, oh oui, c'est je confirme. Fiant, en fait. Quoi? C'est assez relou à miner, en effet. Oui, c'est assez long, faut aller dans le nether, trouver une forteresse, la miner, c'est long. Ah non, moi j'y vais à la nether, là, je mine tout. Acheter des sacs à notre cher marchand. Voilà. Alors maintenant, c'est une question qui où tu vas peut-être pouvoir te défouler. Donc, qu'est-ce que tu as reproché à la ville adverse? Leur manque de force dans les combats. Ouais. Leur retard qu'ils ont pris par rapport à nous, au niveau de la construction. Ouais. Après, j'y suis pas allé récemment, donc sur les constructions même, je verrai, je peux rien dire, parce que je n'ai rien vu, donc pour moi, je ne peux rien dire. D'accord, et c'est vrai que tu sais pas comment ils gèrent leur économie, donc c'est sûr que tu pourras pas parler de ça. Donc sinon, là c'est plus global, c'est est-ce que tu as des idées pour améliorer l'économie du serveur, c'est-à-dire par exemple ajouter des villageois ou des trucs comme ça, ou bien même des idées de jeu autres que les champs de bataille afin d'avoir d'autres moyens de gagner des émeraudes? Alors, au niveau des villageois, je pense que tu pourrais en créer d'autres avec vraiment toutes les ressources possibles achetées par les émeraudes, comme ça, il n'y aura vraiment aucune ressource de construction qui serait laissée à l'écart, et après en fonction de la difficulté de les avoir en les minant ou je ne sais pas quoi, tu pourrais augmenter ou non le prix. Ensuite des jeux, oui des jeux, on peut faire bien sûr d'autres jeux que des champs de bataille. On peut faire des concours de tir à l'arc, des concours de jump. On crée un parcours de jump et la première équipe à atteindre le but remporte les émeraudes. Oui, on peut faire plein de jeux évidemment. Ça c'est pas con, j'avais pas pensé. C'est pas con hein, le jump hein. Ouais, c'est tout, enfin l'idée est c'est tout débile mais tu penses pas forcément. Et donc là la question ultime où bah toi tu as pu
Il pensait, enfin j'ai pu te prévenir hier Ouais, soir. essayé, mais j'ai pas eu d'inspiration. D'accord. Alors, une phrase qui correspondrait à ta ville. À savoir que Clemtis, je lui ai demandé hier soir parce que bah du coup il avait pas pu, il avait pas pu le dire. C'est Rocco Siffredi parce qu'elle va être énorme. Voilà. Je ne dirai rien parce que sinon ça va partir dans des débats assez bizarres. Mais sinon, toi t'as une phrase qui correspondra à la ville? Bon, on serait plutôt une référence qu'une phrase pour ceux qui connaissent et auraient regardé cette vidéo. Ce serait Apocalypti, la ville de sang, de feu et de métal. Bah oui, bah Bob Lennon quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ça, à mon avis, oui, s'ils nous connaissent, ils les connaissent, ça. Voilà, je trouve que ça lui correspond bien, la brutale légende C'est du ça. sang, du feu et du métal. D'accord, et bah j'ai une. Enfin, un abonné qui t'a posé une question à travers Twitter, qui s'appelle Farite, désolé si je prononce mal ton pseudo. Il te dit, quand reprends-tu tes épisodes? Je suis un de tes abonnés. Attends, je suis un de tes abonnés. Je vous suis toi et la team Insider sur Twitter et vos chaînes respectives. Et j'avoue beaucoup aimer Earthcraft, ta série Minecraft. Eh ben, j'ai justement tourné un épisode dernièrement que je dois monter. J'ai tourné au passage. En fait, quand je peux tourner, je tourne tout d'un coup parce que j'ai tellement peu de temps pour tourner. Ouais. J'ai aussi tourné et monté là pour l'instant un épisode de Kingdom Hearts. Donc après, je vais peut-être lancer direct après cette interview. La mise en ligne de Kingdom Hearts et le montage de Horsecraft, dans lequel j'explique en partie mes gros ralentissements de vidéo. C'est pareil, quand j'ai le temps, des fois je tourne avec Lotari et on tourne trois épisodes de Magicka d'un coup, comme ça me laisse Ouais. ça fait de l'avance, quoi. Ouais. D'accord. Et ben c'était toutes les questions que j'avais à poser. Pareil pour les abonnés d'ailleurs. Il n'y a pas eu pour Clemtis. Du coup merci Farite et puis bah du coup merci Eldar pour avoir répondu aux questions. Et puis je vous retrouve tout de Il suite. n'y a pas de problème. Oh non d'ailleurs je vais d'ailleurs dire que c'est la fin de la vidéo parce que ça on est à 30 minutes de vidéo au total avec l'interview de Clemtis. Donc du coup merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye, à la prochaine. Du coup, bah, à la prochaine Clemtis et à la prochaine Eldar. Salut!